Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Vatican News et Vatican Media, à tous ceux qui nous rejoignent sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube en français. Un salut tout particulier aux auditeurs de Radio Espérance et du réseau en français EWTN. Avec vous ce midi, Marie Duhamel, je suis en direct de la place Saint-Pierre au Vatican pour que nous suivions ensemble la prière de l'Angélus en ce dimanche 17 mars, deuxième dimanche de carême. Le pape est d'ailleurs rentré au Vatican vendredi après une semaine d'exercice spirituel sur le thème de la cité des ardents désirs avec les membres de la curie. Ils étaient partis dimanche dernier après l'Angélus et ont passé toute la semaine dans une maison religieuse à Ariccia, c'est dans la banlieue de Rome. Les voilà donc de retour depuis vendredi et le pape a repris ses activités hier. Il a reçu 7000 membres de la Confédération des coopératives italiennes, une nouvelle occasion pour lui d'exprimer son attachement au système coopératif qui allie développement économique et respect des personnes en cohérence avec la doctrine sociale de l'Église. Et le pape François qui a également reçu le président sud-soudanais Salva Kiir après la signature d'un accord de paix en septembre dernier entre les acteurs politiques sud-soudanais. Le Saint-Père a exprimé hier le souhait de vérifier les conditions d'un éventuel voyage dans ce pays, signe de la proximité, a-t-elle dit, avec la population et encouragement justement à ce processus de paix. L'État du Soudan du Sud, en effet créé en 2011, a connu presque aussitôt une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts. Ce dimanche, donc le pape, 17 mars, le pape va commenter l'évangile de Saint-Luc, évangile chapitre 9, versets 28b à 36. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Il est donc midi pile et les rideaux de la fenêtre des appartements pontificaux s'ouvrent. Le pape apparaît à la fenêtre, il salue la foule des fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Vous entendez d'ailleurs leur applaudissement. Une foule nombreuse, on voit des drapeaux cari fratelli brésiliens notamment. Chers frères et sœurs, bonjour. In questa seconda domenica di Quaresima, en ce deuxième dimanche de carême, la liturgie nous fait contempler l'événement de la transfiguration, lors de laquelle Jésus concède à ses disciples Pierre, Jacques et Jean d'avoir un avant-goût de la gloire de la résurrection, une percée du ciel sur la terre. L'évangéliste Saint Luc nous montre Jésus transfiguré sur la montagne, qui est le lieu de la lumière, symbole fascinant de l'expérience particulière réservée aux trois disciples. Ces derniers montent avec le maître sur la montagne, le voient se plonger dans la prière. Et à certains moments, son visage, le visage de Jésus, devint autre. Habitués à le voir chaque jour dans la simple apparence de l'humanité, face à cette splendeur nouvelle qui embrasse toute sa personne, ils sont restés saisis. Et aux côtés de Jésus apparurent Moïse et Élie, qui parlèrent avec lui de son prochain exode, c'est-à-dire de sa Pâque de mort et de sa résurrection. C'est un avant-coup de la Pâque. Alors Pierre s'exclama, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Il voudrait que ce moment de grâce ne finisse plus. La transfiguration s'accomplit en un moment bien précis de la mission du Christ, c'est-à-dire après qu'il a confié aux disciples de devoir souffrir beaucoup, être tué et le troisième jour ressuscité. Jésus sait qu'il n'accepte pas cette réalité, la réalité de la croix, de la mort de Jésus. Et alors, il veut les préparer à supporter le scandale de la passion et de la mort en croix, pour qu'ils sachent que cela est le chemin
par lequel le Père céleste fera arriver son Fils élu à la gloire en le ressuscitant des morts. Et cela sera aussi le chemin des disciples. Aucun n'arrive à la vie éternelle s'il ne suit pas Jésus en portant sa propre croix lors de sa vie sur terre. Chacun de nous a sa propre croix. Le Seigneur nous fait voir la fin de ce parcours, qui est la résurrection, la beauté, en portant sa propre croix. Ainsi, la transfiguration du Christ nous montre la perspective chrétienne de la souffrance. Ce n'est pas du sadomasochisme, la souffrance. C'est un passage nécessaire, mais transitoire. Il punto di arrivo a cui siamo chiamati è luminoso, come il volto di Cristo trasfigurato. In lui è la salvezza, la beatitudine, la luce, l'amore di Dio senza limite. En lui est le salut, la béatitude, la lumière, l'amour de Dieu sans limite. En montrant sa gloire, Jésus nous assure que la croix, les épreuves, les difficultés dans lesquelles nous nous débattons trouvent leur solution et sont dépassées dans la Pâque. C'est pourquoi, en ce carême, nous montons, nous aussi, sur la montagne avec Jésus. De quelle manière? Par la prière. Nous montons sur la montagne par la prière. La prière silencieuse. La prière du cœur. La prière qui cherche toujours le Seigneur. Restons quelques instants recueillis, chaque jour un petit peu. Fixons notre regard intérieur sur son visage et laissons sa lumière nous pénétrer et irradier notre vie. En effet, l'évangéliste Luc insiste sur le fait que Jésus se transfigurait alors qu'il priait. Il s'était plongé dans un dialogue intime avec le Père, pendant lequel résonnaient la loi et les prophètes, Moïse et Élie. Et tandis qu'il adhérait de toute sa personne à la volonté de salut du Seigneur, la croix inclus, la gloire de Dieu l'envahit, visible même de l'extérieur. C'est ainsi, frères et sœurs, la prière en Christ, en l'Esprit Saint, transforme la personne de l'intérieur et peut illuminer les autres et le monde alentour. Tant de fois, on a trouvé des personnes qui illuminaient, dont la lumière sortait des yeux, qui ont ce regard lumineux. Et ils prient. La prière fait cela. Ça nous rend lumineux avec la lumière de l'Esprit-Saint. Continuons avec joie notre itinéraire de carême. Donnons de l'espace à la prière et à la parole de Dieu que la liturgie nous propose en abondance ces jours-ci. Que la Vierge Marie nous enseigne à rester avec Jésus, même lorsque nous ne le comprenons pas. Parce que c'est seulement en restant avec lui que nous verrons sa gloire. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Concepit Spiritus Sanctum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, digni efficiamur per missionibus Christi.
Grazie in tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde. Uti angelo annunciante, Christi fili tu, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur. Preunem Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nescue in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, in questi giorni, ces derniers jours, al dolore per le guerre, à la douleur provoquée par les guerres et les conflits qui ne cessent d'affliger l'humanité entière, s'est ajoutée celle éprouvée pour les victimes de l'horrible attentat contre deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Je prie pour les morts, les blessés et leurs familles. J'exprime ma proximité à nos frères musulmans et à toute cette communauté. Et je renouvelle mon invitation à s'unir par la prière et des gestes de paix pour contraster la haine et la violence. Prions ensemble, en silence, pour nos frères musulmans qui ont été tués. Je vous salue tous ici présents, cordialement, vous fidèles de Rome et de tant de parties du monde. Je salue les pèlerins de la Pologne, ceux de Valence en Espagne, de Casajeras au Brésil et de Benguela en Angola. Ma quanti angolani? Ma combien d'Angolais? Je salue à vous tous. Je vous salue tous ici présents. Je salue les groupes paroissiaux venant de Vérone, de Quarto di Napoli et de Castel del Piano de Pérouse, les élèves de Corleone, les enfants de chœur de Brembo Indalmine, et l'association 1 à 100 de Padoue. À vous tous, je souhaite un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et à bientôt. Le pape salue donc les fidèles qui sont rassemblés place Saint-Pierre. Il leur sourit. Les salue et se retire. Le pape qui a donc récité la prière de l'Angélus, vous entendez les cloches de la place Saint-Pierre qui résonnent jusque nous. C'était donc l'Angélus du pape, le pape qui a commenté l'évangile de Saint-Luc pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre,
Vous pourrez bien sûr le retrouver sur notre retrouver cette vidéo, retrouver cet Angélus sur notre site internet en français vaticannews.va. Je vous invite voilà à vous y rendre. Et puis bien sûr, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel Angélus. Je vous souhaite, quant à moi, à toutes et à tous de Radio Espérance et du Radio en français EWTN en particulier, un excellent dimanche. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.